Salut. Alors aujourd'hui, ce qui intéresse nous, c'est des enfants qui pratiquent un style de karaté qui nous appelle le Kyokushinkai, qui veut dire l'école de l'ultime vérité. Alors Kyokushinkai, c'est un style de karaté qui est créé dans les années 1950 par un japonais qui appelle Masutatsu Oyama. Et aujourd'hui, nous venons de des enfants justement qui fait partie de Vakwa, Kyokushinkai Karaté Dojo. Shingai, c'est un style de karaté, full contact, qui est créé par Masu Oyama dans les années 50. Et le Kyokushin vient à Maurice dans les années 80. Et maintenant, ça fait plus de 40-45 ans que le Kyokushin est présent à Maurice. Et un domaine plus ancien club, c'est le club le Vakwa Kyokushin Karaté Dojo. Ça fait à peu près 35 ans qu'il est actif ici. Dis-moi qui fait ton choisir pour pratiquer Kyokushinkai. Mon papa a entièrement fait Kyokushinkai. Moi, je choisis ça comme ça, mon ami court un jeu. Mon papa, tu peux faire Kyokushinkai, mais moi aussi, mon enfant fait Kyokushinkai. Quand je vais débuter, nous montrer qu'un indice en japonais. Et puis, petit à petit, nous montrer ban blocage, ban attaque, comment pour dire en japonais, et petit à petit, apprendre. Et que dès que je passe de ceinture bleue, là, je besoin qu'on tout ban noir. Ça veut dire que là, dans l'examen même, que nous n'est plus montré ce ban mouvement là, c'est nous ban non là, et que je besoin exécuter. Alors Calvina, tu es une petite championne avec tes bandes trophées, tes médailles et tout. Tu gagnes pas mal de trophées d'ailleurs, parce que ça fait un bon bout de temps, ça fait 5 ans quand même, hein, 5 ans et autant de trophées. Et Calvina, si je me dis à toi, ben, explique-nous, c'est quoi le Kyokushinkai? Kyokushinkai, c'est un self-defense. Kyokushinkai, il donne nous discipline. Aide-nous dans l'éducation physiquement, mentalement. En fait, en premier lieu, dans le karaté Kyokushin, ça qui distingue dans les autres karatés, comment on va dire, comment c'est le full contact. Okay? Je veux dire, dans les autres karatés, c'est un composant traditionnel là. Ici, c'est full contact, quand nous avons un combat, ils sont entrés le chaos. Et aussi, c'est l'entraînement. L'entraînement est extrêmement terrible, extrêmement dur. C'est-à-dire, tout le monde qui fait Kyokushin, vous êtes capable de dire ok. Kyokushin, c'est un énorme karaté plus dur que ça ne fait. Ryan, qui est content dans Kyokushin Kai? Je fais ça, mon gars physique, pour mon gars défendre moi. Et mon cas,
Donc on t'a fait mon kata pour développer les cours. Ça aide moi pour bien concentrer dans ma classe et que ligament bien en bonne santé. Je n'ai pas beaucoup de douleur, tout ça. Mes parents, courageusement, je suis très content. Je vais continuer en train de plus dur. Je suis reçu dans la vie. Je suis venu pour réussir en train de m'amuser. Pour venir un champion comme à toi, puisque tu es dans la Réunion, etc., Ena, est-ce qu'il y a une recette pour ça? J'ai entraîné, mais moi, je m'en entraîné. Le matin, je suis venu avant moi à l'école, je m'entraîner. Tantôt, quand je viens à casa, je me repose, je m'entraîne, je m'en entraînement. Tous les jours, moi, je me repose. Nous, l'entraînement est extrêmement terne, extrêmement dur. Et que, aussi, ils sont entrés pour nous créer pas juste un bon combattant, mais un citoyen qui est très fort, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Alors, nous, toi, avec ton coupe et ton médaille, donc ton participe dans une compétition, combien de compétitions? Pour 6 ans, je crois 6 compétitions, et que je gagne, et que je peux en faire encore pour me réussir successful comme je grand. Moi, je suis à la Réunion, dernière fois, j'ai une compétition, Indian Ocean Competition, et je me qualifie pour aller, moi, je passe mon point pour plusieurs compétitions, mais je me suis qualifié pour aller là-bas, et je fais 3 gemmes. Mon grand souvenir, c'est comment tu fais sans Pierre Maurice. En 2016. C'est difficile quand on prépare toi pour une compétition? Pas trop, parce qu'en tant que tellement, si nous peux pratiquer bien et qu'avec tout bon encouragement de nos parents, ce n'est pas assez difficile là, pour nous faire. Qu'est-ce que tu as envie d'aller? Je vais venir à cette chaîne, comme vous le faites, N-Sensei. Le concept est simple, c'est nous montrer nous gagner de douleur, on a le verset pour nous là-bas. Okay? Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est apprendre tini, apprendre d'une plus fort. C'est nous gagner de douleur, nous gagner quoi que ce soit, nous pas montrer lui. Nous continuons de foncer. Dans un combat, Kelvina, qui va nous faire, qui nous pas gagner droit faire? Dans un combat, nous pas gagner droit tape coup point de figure. Dans le côté, dans les deux. Avec quand une jibune tombe, nous n'avons pas le droit de continuer à taper. Avec le temps qui nous a commencé, quand nous a commencé, nous a commencé. Avec quand nous a arrêté, nous avons arrêté. Nous n'avons pas le droit de continuer la guerre. Si, merci. Sensei, la discipline comme dans tout en martiaux et de tout sport aussi, c'est assez important. Et qui est une discipline de base pour le Kyokushinkai? Alors, en premier lieu, c'est le respect. Le respect pour nous, nos sensei, nos professeurs. Le respect pour nos collègues. Et que, aussi, le respect pour nos dojo, nos clubs que nous pouvons entraîner. Et le respect pour tout le monde. C'est tout le monde aîné, tout le monde sensei plus avancé. C'est dans le karaté, il englobe ça. C'est un sport que nous devons nous respecter, nos prochains. Alors, ce qui est assez impressionnant aussi, bon, là, nous trouvons des enfants qui mettent de protection, mais sinon, dans un vrai combat, c'est différent sans protection. Oui. Est-ce que c'est pas dangereux, ça? Pour des enfants de moins de 16 ans, je mets de protection, je veux dire, j'ai un légant, protection à tête, chimpad, tout ça. Mais pour des grands, nous essayons de faire combat là plus près avec réel.
OK. C'est-à-dire, réel, c'est un combat que nous faisons la guerre en dehors, que nous faisons la protection. Okay? Et que ça aide nous pour mettre sa full power là, full la force là, développer sa full la force là. Avec un ligand, quand nous faisons la guerre, un ligand, il diminue la force, il diminue technique que nous le sens technique que nous faisons taper au point là, il met un chimpa, le sens technique que nous faisons taper au pied là. Sans un chimpa, sans un ligand, le technique est pareil, il est original. Quoi exactement le kata? Le kata, comment on dit, le premier kata, c'est un kata qui est divisé en 20 mouvements. Et que ce concept, c'est un kata qui est passé dans un couloir. Okay? C'est un combat imaginaire dans un couloir. C'est-à-dire, et différents katas bougent comme ça. C'est-à-dire, chaque kata, il y a un schéma qui se peut dessiner quand je fais le kata. Là. Et que, aussi, dans le kata, ce qui est un programme qui est extra important dans le kata, c'est que le kata pratique le mouvement. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire un adversaire, il n'est pas nécessaire une personne pour pratiquer le kata. Nous pas à la maison, nous pouvons pratiquer le kata, nous pouvons n'importe où ça, nous pouvons pratiquer le kata. Et nous pouvons faire le mouvement pareil comme nous sommes en train. Comme ça va servir n'importe comment. C'est un jour une pierre qui vient nous servir. Et nous pas capable de nous quand nous en fait, c'est que tout ça c'est lié. C'est que nous bons élèves, je passe huit matchs en peu, mais que aussi dépasse nous-mêmes. Ok, c'est que nous bons élèves dépassent nous en termes connaissances, en termes techniques, en termes tout. C'est ça le but de Népo qui s'en sait, c'est que ce manzélé dépasse. Alors encore une fois, les enfants nous montrent nous que quand nous faisons une activité ou quand nous faisons un sport, c'est bon pour la santé et pour le moral. D'ailleurs, il y en a beaucoup de petits champions ici dans Kyokushi, KWF Mauritius. Qui montrait nous aujourd'hui effectivement que le Kyokushinkai c'est un joli sport. Il paraît un petit peu faire peur au départ, mais c'est quand même un joli sport. Alors en tout cas, merci bons enfants, je vous souhaite une bonne continuation. Donc nous pour dire au revoir à la façon du Kyokushinkai. Et c'est le taille. Oui. Et c'est le taille. Oui.